Silencieux depuis la vague de démission au sein du parti Les Démocrates, le président de cette formation politique oguin Zouban Dama a profité de sa participation à la journée de réflexion des parlementaires de l'opposition organisée le samedi 23 avril dernier, pour donner son point de vue. À cet effet, il a dénoncé ce débauchage orchestré par le parti démocratique gabonais, PDG, à coup de centaines de millions de FECFA. En effet, au cours de cette rencontre qui s'est déroulée en présence des présidents de l'Union nationale Paulette Missambo et du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, Alexandre Barrault-Chambrier, il était question d'échanger sur la problématique de l'alternance politique surtout à l'approche des prochaines échéances électorales. À cet effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale a, au cours de son intervention, Tenu à rappeler la nécessité de bannir les égoïsmes et l'esprit solitaire qui selon lui pourraient principalement handicaper l'opposition gabonaise actuelle. Il a d'ailleurs plaidé pour une mise en commun des intelligences pour mettre un terme à l'hégémonie du PDG. Guinzuban Dama a donc suggéré d'une part la mise en place d'un code de bonne conduite et d'une charte implicite de solidarité, et de l'autre, d'assurer une réelle formation des militants visant à protéger leur suffrage exprimé. Profitant de cette occasion, le leader des démocrates a tenu à répondre à la vague de défections enregistrées au sein de sa formation politique, soulignant que ces débauchages se faisaient en contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ne vous laissez pas intimider par ce qu'on voit tous les jours. On nous débauche des gens. Si nous n'étions pas importants, on ne viendrait pas prendre les gens chez nous à coups de centaines de millions de francs, a martelé Guinzouban Dama.